Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective de Congo la Renaissance sur les ondes de Teller TV. Nous avons pris l'habitude, évidemment, tous les dimanches, d'échanger avec vous sur des problèmes d'importance au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. L'éducation est l'un des secteurs les plus importants dans une nation parce que ça forme des cadres qui auront la responsabilité, n'est-ce pas, de conduire la société. Et ces cadres doivent être formés. Et si ces cadres ne sont pas formés, il est à parier que le Congo de demain vivra une crise très profonde. Et pour parler de l'éducation au Congo-Brazzaville, nous aurons une invitée. Et pas des moindres. Nous aurons sur notre plateau Madame Marie-Louise Abia, que vous connaissez, beaucoup connaissent déjà, pour avoir intervenu sur beaucoup de plateaux de télévision. Madame Abia, elle est enseignante, elle est écrivaine également, a vécu longtemps en France et en ce moment, elle vit en Angleterre. Madame Abia, également activiste politique, qui intervient sur beaucoup de problèmes brûlants de l'heure, que ce soit au Congo ou dans la diaspora. Bonjour, Madame Abia. Bonjour Georges Goma, merci de me recevoir sur votre plateau. Je voudrais juste faire un rectificatif. Je voudrais être appelée Marie-Louise Ango plutôt que d'être appelée. Ah, Madame Marie-Louise Ango, mais il y a aussi Abia souvent dans votre identification. Alors, J'ai choisi Ango pour la. d'accord, Madame Marie-Louise Ango, très bien. Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Ango? Écoutez, je vais bien. Je vais bien. Par la grâce de Nzambi, je vais bien. Je ne me plains pas. Ben, merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci surtout de m'avoir invité. Ben, c'est le bonheur de vous avoir de toutes les façons. Alors, allons directement donc à notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons d'éducation, vous le savez très bien. Tout à fait. Si je vous demandais comme ça, là, Madame Mongo, qu'est-ce que l'éducation représente pour vous, pour un pays du moins? Pour un pays ou Oui, pour... pour un pays, le Congo. Parlons du Congo puisqu'il s'agit du Congo. Quelle est la place? Quelle place vous pensez pouvoir donner à l'éducation, n'est-ce pas, dans l'évolution de la société congolaise? Bah, je ne vais pas répondre seulement pour le Congo. Je vais dire que l'éducation est la clé pour tout le monde, que ce soit pour les Congolais ou pour n'importe qui. L'éducation est la clé parce que même les animaux éduquent leurs petits. L'éducation est la clé pour tout être vivant. Donc les Congolais ne feront pas exception, ne seront pas exemptés de ça. L'éducation est la clé de tout et la clé pour tout. Très bien. Mais quand vous dites cela, je pense que quand on regarde l'histoire du Congo-Brazzaville, il est arrivé un moment où le principe que vous énoncez, que l'éducation était la clé de tout, était en train, il y a des objectifs qui étaient en train d'être atteints. On se souviendra, à la fin des années 70, au début des années 80, le Congo avait un taux de scolarisation qui frôlait les 100%. On se souvient bien de cette période-là. Mais quand on regarde aujourd'hui, le système éducatif au Congo-Brazzaville semble en lambeaux. Rien qu'à voir un peu les étudiants qu'on envoie à l'étranger, qu'il s'agisse de Cuba, qu'il s'agisse du Maroc, certains pays africains et un peu partout en Russie, ben les étudiants n'ont pas de bourse depuis des années. Alors, qu'est-ce que ça peut bien préfigurer? Quand je dis que l'éducation est la clé pour tout le monde, donc l'éducation est la clé de tout et pour tout, je vais dire pour les personnes ou les êtres qui ont conscience de leur responsabilité vis-à-vis de leurs petits, donc que ce soit des animaux ou des humains, hein, des êtres qui ont conscience de leur responsabilité vis-à-vis de leurs petits et des êtres qui aiment, qui ont, quand je dis aiment, qui ont un cœur qui aime.
Donc, l'éducation est la clé pour un parent qui se soucie de l'avenir de son enfant. L'éducation est la clé pour un chien qui pense à l'avenir de son petit chiot. L'éducation est la clé pour une vache qui pense à l'avenir de son petit veau. L'éducation est la clé pour tout être qui, comme disent les Anglais, who cares? Donc, qui a Ils sont de soucis. l'amour pour sa personne. Maintenant, quand on arrive à un point où, au Congo, par exemple, beaucoup d'enfants sont faits par accident, parce que je vais dire les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler le chien par le chien et le chat par le chat. L'activité sexuelle est la seule activité au Congo qui marche. Et donc, quand les gens font l'activité sexuelle, c'est du business. Les uns ont de l'argent à donner pour payer et les autres ont encore à vendre. Et donc, quand c'est comme ça, les enfants naissent aussi dans ces conditions-là. Je ne dis pas que c'est la majorité du Congo. Je ne dis pas que c'est tout le Congo, mais la majorité des enfants au Congo naissent dans des conditions non espérées. Ce sont des enfants inespérés, ce sont des enfants inattendus, ce sont des enfants non voulus. Et ces enfants-là, on ne peut pas penser à un avenir pour eux. Il y en a, par contre, qui ont voulu avoir des enfants dans un cadre plus ou moins traditionnellement structuré de genre mariage, ou bien des gens qui ont été dans une relation saine et qui ont voulu avoir un enfant. Ces gens-là, vous allez remarquer que les enfants qui naissent dans des cadres structurés sont des enfants pour lesquels les parents pensent à leur avenir et ces enfants-là, les parents se battent pour eux. Ils vont dans des écoles privées, les parents payent, les parents payent pour leurs études ou leur formation, des études supérieures ou leur formation. Mais quand les enfants naissent dans des milieux soit très pauvres ou déjà mentalement on est pauvre, matériellement on est pauvre, intellectuellement on est pauvre, spirituellement on est pauvre, ben, les enfants deviennent un encombrement et c'est ce qui se passe au Congo. On est dans un pays où le père de famille, je vais le nommer Sassou Nguesso, puisque le Congo c'est une famille, le père de famille Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui fait des enfants sans le vouloir. Il est accidentellement père. Et comme il est accidentellement père, il ne sait pas pourquoi il est père. Et il connaît aucune responsabilité d'un père. Sassou Nguesso ne sait pas ce que c'est qu'un père. Donc, si déjà on voit sa descendance biologique, comment il les a éduqués, on se demande comment il pourrait éduquer autrement le Congo. Aucun. Montrez-moi, si vous me montrez un des enfants de Sassou Nguesso qui est honnête, je vais me taire. Mais si autour de lui, il n'y a que des criminels, comment voudrez-vous que le Congo avance? Comment voudrez-vous que le Congo, les Congolais soient éduqués autrement? Donc le système est géré par un individu qui s'appelle Sassou Nguesso et c'est lui qui dicte comment le système doit aller. À l'époque où nous étions, nous, jeunes et enfants, le système était géré par des gens qui avaient conscience de ce qu'ils ont comme responsabilité. Nos parents se souciaient de est-ce que les enfants ont mangé. Nos parents se souciaient de est-ce que l'enfant a des chaussures pour sortir. Nos parents se souciaient de la santé. Nous, on allait à l'hôpital. Si on est malade, le papa, il va pas travailler, il nous emmène à l'hôpital. Le papa, il va pas travailler, il va nous emmener à l'hôpital jusqu'à ce qu'on soit en bonne santé. Par exemple, s'il doit nous emmener à l'hôpital, il nous emmène à l'hôpital, il quitte le travail, il vient nous emmener à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Donc, les parents, à notre époque, faisaient des enfants et étaient responsables de leurs enfants. Aujourd'hui, les parents subissent les enfants et ils ne sont pas responsables de leurs enfants. Et donc, l'éducation dans tout ça, on ne peut pas en parler puisque ça ne fait pas partie de leur programme. Ils n'ont pas de Ah, mais programme d'ailleurs pour les enfants. oui, je comprends très bien, Madame Ango. Là, vous rendez le propos beaucoup plus substantiel parce que on est rentré par l'éducation et vous étendez la problématique ou la question de l'éducation à la société globale à travers un modèle qui est le président de la République. Vous avez mentionné un certain nombre de points que tout le monde voit très bien que le président de la République a des enfants, fait des enfants partout et avec tout le monde finalement. Et donc, dans votre propos, vous voulez dire que le système éducatif au Congo serait dans un état, oh, je voulais utiliser un mot assez pédant, j'allais parler de l'anomie, c'est-à-dire un cas, une situation de chaos total, une situation de chaos total, puisque le modèle que tout le monde devait pouvoir suivre ne donne pas l'exemple qu'il faut.
Et à la fin, dites-moi si je me trompe à interpréter votre pensée, et à la fin, on se retrouve finalement avec un système complètement désorganisé. Tout à fait, parce qu'on dit le poisson pourri par la tête. Quand vous avez un poisson qui est pourri par la tête, n'espérez pas avoir le reste du poisson en bon état. Donc nous, notre poisson, il est pourri par la tête. Comment voudriez-vous qu'on ait un poisson en bon état pour manger? Le système éducatif, si on avait, on n'en a pas hein, déjà, de toute façon, on l'a détruit. On a détruit notre système éducatif. Quand on avait donc un système éducatif bien organisé, bien structuré, les bourses, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les bourses étaient un devoir pour l'État et un droit pour tout apprenant, pour tout enfant congolais qui devait apprendre. Il y avait des collèges techniques comme des endroits où on formait, des collèges où on formait des puéricultrices, elles étaient boursières, des endroits où on formait, des collèges techniques où on formait je ne sais plus quelle formation on donnait pour des assistantes sociales ou des services sociaux, elles étaient payées, hein. Il y avait une bourse. Même au lycée, il y avait une bourse. Moi, j'ai été boursière au lycée, hein. Moi, j'ai été boursière. Je ne suis pas d'une famille des plus pauvres du Congo, mais j'étais boursière. Et j'ai été interne au Congo. Ce n'est pas parce que je manquais où dormir, mais j'étais boursière, j'étais interne parce que le Congo pouvait se le permettre. J'avais mes parents là, pas loin de chez moi, mais j'étais boursière. Donc, à l'époque, le Congo se souciait de l'avenir de ses enfants parce que les gens qui étaient à la tête du Congo se souciaient de l'avenir de leurs enfants et c'était des pères de famille qui étaient responsables de leurs enfants. Si vous remarquez bien, si vous remarquez, toutes les personnes qui étaient des responsables politiques ou responsables administratifs à cette époque-là, leurs enfants, ils étaient des pères parce qu'ils prenaient soin de leurs enfants. Et si vous remarquez aujourd'hui, toutes les personnes qui sont des responsables politiques au Congo, aujourd'hui, vous regardez leurs enfants, ce sont des gens qui font des enfants avec la folle du quartier en couche avec, le chien du quartier en couche avec, et puis ça sort des enfants, et on n'en veut pas. Donc ces enfants-là, ce sont ces enfants qu'on retrouve aussi dans la rue, hein, qu'on appelle des sorciers. On les rejette parce qu'on dit c'est un sorcier. C'est dans ces milieux-là qu'on retrouve des enfants dans la rue. Ce sont des enfants qui se retrouvent des clowns. On prend tous les clowns du Congo, on imagine l'avenir autrement, on imagine la vie autrement. Il y aurait des ingénieurs dans ces clowns, il y aurait des médecins dans ces clowns, il y aurait des mécaniciens dans ces clowns, il y aurait des jardiniers, il y aurait des facteurs, il y aurait des enseignants, il y aurait des cuisiniers, il y aurait tout le monde, des gens qui travaillent. Mais voyez pas que le Congo serait différent? Le Congo serait différent? Madame Ango, je comprends très bien, vous êtes en train de faire un état des lieux à votre manière et c'est tout à votre honneur avec la façon, le style d'expression qui est le vôtre. Vous êtes une écrivaine et ça se comprend très, très, très bien. Bon, maintenant, une fois qu'on a vu cette responsabilité-là, du chef de famille qui se comporte de la façon la plus répréhensible qui soit, qui n'est pas un modèle, au fond, qui n'est pas un modèle. Ce que vous dites là est vrai. Bon, maintenant, essayons de regarder demain, vous, Madame Ango, vous avez des responsabilités au Congo-Brazzaville. Et vous êtes en charge, n'est-ce pas, du secteur de l'éducation. Pendant les 100 premiers jours, que feriez-vous? Pendant les 100 premiers jours. Alors, il faut dire que, je ne suis pas sûre que je serai en charge, mais si j'étais en charge, par exemple, pendant les 100 premiers jours, on ne peut pas résoudre ce problème qui a été créé pendant des décennies, qui a duré pendant des décennies en 100 jours. Mais pendant les 100 premiers jours, je mettrai une ossature du plan de travail. Hein, du projet de travail, c'est-à-dire première année, si c'est un mandat de 5 ans, première année, on atteint quel objectif? Deuxième année, on atteint quel objectif? Troisième année, quatrième année, cinquième année, ainsi de suite. Moi, pendant les 100 premiers jours, je m'arrangerai déjà, je ferai déjà en sorte que qu'aucun enfant ne s'asseye par terre à l'école. Ça, c'est ignoble, ça, c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas admettre que mon enfant, à moi, aille s'asseoir à l'école par terre. Donc, pendant les 100 premiers jours, ça, c'est quelque chose, une action qui sera menée d'envergure pour que toutes les écoles du Congo puissent avoir des tables et des bancs pour les enfants. Donc, aucun enfant, pendant les 100 premiers jours, si j'étais là, ne s'asseoirait par terre, n'est-ce pas? Pendant les 100 premiers jours, on regarderait les enseignants. On parle des apprenants, mais on parle aussi des enseignants. On va évaluer, on évaluerait
tous les enseignants qui interviennent à l'école maternelle, primaire et collège, parce que c'est là qu'on forme les c'est de là que viennent les étudiants qui ne savent pas écrire leur nom quand ils sont à l'université à l'étranger ici et qu'on dise qu'ils sont le Congo envoie des imbéciles. Donc maternelle, primaire, collège, tous les enseignants qui y interviennent, on les évalue. On devrait les évaluer, on va les évaluer pendant les 100 premiers jours. Ceux qui sont bons, on les garde. Ceux qui ne sont pas, ceux qui ont des lacunes, puisqu'on ne va pas mettre les gens au chômage, s'ils ont l'envie d'enseigner, s'ils ont la passion, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la passion, l'envie et le désir, mais qui n'ont pas les compétences. Donc, s'il ne leur manque que des compétences, pendant les 100 premiers jours, puisqu'on mettra en place un système de remise à niveau pour les enseignants, de formation continue pour les enseignants, pendant les 100 premiers jours, ces enseignants seront astreints à des formations qui leur permettront d'atteindre un niveau acceptable pour qu'ils puissent transmettre le savoir qu'ils ont. Maintenant, si parmi eux, il y en a qui ne peuvent pas transmettre le savoir, qui n'ont pas de savoir à transmettre, ben, on va les orienter ailleurs. Ils ont autre chose à faire. Ils peuvent faire autre chose. Il n'y a pas de sous-métier. On peut être jardinier, ce n'est pas une honte puisqu'on nourrit les gens. Donc, pendant les 100 premiers jours, on travaillerait sur la qualité de l'enseignant. La formation de l'enseignant, les capacités de l'enseignant, et puis les conditions de l'enfant. Aucun enfant n'irait à l'école affamé pendant les 100 premiers jours. Parce que le Congo est capable de nourrir ses enfants, nous allons nourrir nos enfants. Pendant les 100 premiers jours, tout enfant ira à l'école en sachant qu'il peut manger. On mettra des cantines scolaires, soit, je ne sais pas, mais ça sera à voir sur place avec les moyens qu'on aura. Tout enfant aura un repas à l'école parce que quand on n'a pas mangé, on ne travaille pas bien. Donc, pendant les 100 premiers jours, il y aura ça. Et puis, aucun enfant ne viendra pas à l'école parce qu'il n'a pas payé d'assurance, puisque l'école sera gratuite. Pendant les 100 premiers jours, on rendra l'école publique gratuite. On rendra l'école publique gratuite et pendant les 100 premiers jours, on assainira l'école, parce qu'il n'y a même pas de toilettes à l'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, on mettra pendant les 100 premiers jours des toilettes propres pour les enfants, de l'eau pour les enfants à l'école et on réorganisera l'état de l'école. Donc, on fait un état de lieu pour voir dans quelles conditions les enfants s'asseyent. Si une école n'est pas, n'accorde pas, comment je veux dire, de la sécurité ou bien un petit confort pour les enfants, on n'utilise pas. Par exemple, on voit des choses qu'on appelle école, mais c'est des bambous debout avec des machins, on appelle ça école, ça c'est pas une école. Ce n'est pas une école. Quitte à ce que les enfants, on réquisitionne les buildings de l'État, parce qu'il y en a, ou bien les gens qui ont volé l'argent, parce que nous, quand on arrivera, il faudra qu'on essaie de voir ça aussi. Ceux qui ont construit, qui ont volé les choses de l'État, il faut que l'État récupère ces choses. Ceux qui ont volé les buildings de l'État, l'État va récupérer ces buildings. Et donc, ces buildings de l'État, si ils se prêtent à pouvoir faire des classes provisoires, et on mettra les enfants dans des conditions, dans de meilleures conditions pour qu'ils apprennent. Voilà un peu dans les 5 premiers jours. Sans compter le fait que on va faire le design de la structure de travail pour les 5 ans que dure le mandat, que l'école soit complètement assainie. En fait, si je vous comprends très bien, et encore, je vous ai compris, en fait, c'est ce qu'on appellerait, sous d'autres, si on le dit comme ça, les états généraux du système éducatif, ou bien Tout de à fait. l'éducation au Tout à fait. Congo-Brazzaville. Tout à Et fait. moi, je suis ici au Québec, ils ont cette tradition-là, ils mettent en place ce qu'ils appellent les commissions d'enquête, ou les groupes de travail qui vont ensemble avec des commissions d'enquête dans des secteurs diversifiés de la vie de la nation. Et là, ce serait une commission d'enquête, si j'utilise un peu la terminologie québécoise, une commission d'enquête qui va comprendre, n'est-ce pas, tous les spécialistes qui sont concernés par la chose éducationnelle. Et Tout à fait. pendant un temps bien déterminé, ici ça prend souvent pas seulement 100 jours, mais ça peut prendre des années, toute une année et demie, voire même 2 ans. C'est pour Quand ça que on je dis qu'ils vont, comme oui. nous allons mettre l'ossature de l'organisation et de la structuration du système éducatif. Parce que en 100 jours, vous vous doutez bien que 100 jours, ça fait 3 mois.
En 3 mois, on ne peut pas faire des miracles pour transformer, pour changer le système qui a duré des décennies. Et puis, comme par baguette magique, on transforme. Mais en 100 jours, on mettra l'eau saturée. Madame Ongo, oui, mais quand on dit les 100 jours, ce n'est pas que vous allez réaliser quelque chose qui sera sensible et visible pendant les 100 jours. Les 100 jours, évidemment, c'est de mettre sur pied, n'est-ce pas, un dispositif, un peu comme tout la structuration, tout le design. Pour la structuration de l'éducation et voir déjà par rapport aux besoins de notre pays. Parce qu'on ne peut pas former les gens sans. Quand vous achetez un terrain, personne ne construit une maison sans faire un plan, sans faire une architecture, sans créer un plan de ce qu'il veut comme maison. Je veux 3 chambres, 2 chambres, je ne sais pas quoi. La maison sera comme ceci, comme cela. On va voir un architecte qui vous fait un plan et c'est à partir de ce plan que vous allez construire votre maison. Personne ne va un matin pour dire, bon, je commence à monter les murs ici et puis on va voir, ça va aller où, ça va aller là, moi je monte de l'autre côté. Non, personne ne fait ça. Eh bien, c'est pareil pour l'éducation, pour tout ce qui est éducation. Hein. Quand je dis éducation, c'est-à-dire instruction et éducation. Parce que l'éducation, c'est ce que les enfants reçoivent dans la famille, dans leur milieu social où ils vivent. Et l'instruction, c'est ce que les institutions donnent à l'enfant. Et donc, tout ce système-là, c'est ce que nous appelons système éducatif, eh bien, ce système doit avoir un objectif, doit avoir un but. On ne peut pas dire on va former les gens sans savoir pourquoi, sans avoir le besoin. Nous avons, nous sommes, je vais prendre quelque chose de très haut, hein, au-dessus de la pyramide même, hein, c'est pas basique. Nous sommes producteurs de pétrole, nous sommes producteurs de pétrole bien placés. Nous avons notre sous-sol est très riche. Quand on était enfant, on nous faisait chanter le Congo, pays riche, a de l'or à Kélé, a de l'or au Mayombe, a du cuivre, hein, pas ça. On nous faisait chanter toutes les richesses du Congo que l'on connaissait. Et donc, ces choses-là, nous n'avons pas d'ingénieurs qui sont dans les mines et minerais pour évaluer ce que nous avons comme richesses et comment les exploiter, qui les exploite et combien on exploite, par exemple. Donc, on doit former des gens qui sachent ce que nous avons. On ne peut pas venir ouvrir votre ventre, prendre tout ce qu'il y a à prendre et vous ne savez même pas ce qu'on prend dans votre ventre. Donc, il faudrait qu'on ait des gens, par exemple, qui sont là, formés pour étudier notre sous-sol et savoir ce qu'il en est, qui prend quoi, où, quand, comment et combien. Nous allons former des gens pour ça. Nous avons nous sommes à l'ère moderne où nous mangeons tout et n'importe quoi. Donc, nos maladies ne se limitent plus à des vieilles maladies d'autrefois, l'rhumatisme et tout ça, l'arthrite. Non, on a des cancers aujourd'hui. Mais parfois, on a un cancérologue pour tout le pays. Et quand ce cancérologue n'est pas là, personne n'est soigné et il est en vacances. On a des spécialisations comme ça où il n'y a personne. Donc, nous devons voir par rapport aux besoins du pays, de quoi avons-nous besoin. Nous allons former les gens en fonction de ça. Tout le monde n'ira pas à l'INSA pour être médecin généraliste ou je ne sais pas moi, ou tout le monde n'ira pas être pédiatre ou gynécologue. On va voir en fonction de nos besoins et nous allons former les gens dans tous les secteurs de la société, des hôteliers, puisqu'on a besoin de développer le tourisme. Alors, il faut développer le tourisme avec des hôtels, avec des restaurants, avec des sites touristiques. Donc, il nous faut des guides touristiques bien formés, donc des historiens qui connaissent leur travail. Je parle des gens qui connaissent bien l'histoire de l'endroit où ils vont faire visiter les gens, des géographes pour bien déterminer ce que nous avons, des linguistes. Nous avons une richesse linguistique que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est désolant, hein, de voir que beaucoup de compatriotes ne savent pas ce que le Congo a comme richesse linguistique. Beaucoup de Congolais ne savent pas. Madame Ongo, vous abordez déjà un aspect qui est en fait un aspect pour lequel j'allais vous poser une question là-dessus. Le système éducatif au Congo-Brazzaville, comme d'ailleurs aussi partout ailleurs en Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, et quand on voit aussi dans le monde anglophone avec, n'est-ce pas, l'impérialiste anglais aussi, les structures, l'éducation sont pratiquement héritées, n'est-ce pas, du passé colonial. Et pour le cas précis du Congo-Brazzaville,
on voit un système d'éducation un peu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'on commence à l'école primaire et les gens vont directement, juste pour ceux qui peuvent arriver jusque-là, à l'université. C'est-à-dire que finalement, la personne qui aura parfait ses études, c'est une personne qui serait sortie avec des grands diplômes universitaires. Et c'est pour moi l'occasion de vous poser la question suivante. Ben, attendez, est-ce que c'est vraiment la configuration de l'éducation qui est la meilleure pour le Congo-Brazzaville? Pourquoi, quelque part, on n'a pas mis l'accent sur la formation continue, pas la formation continue, aussi d'ailleurs, aussi, hein, la formation continue, mais fondamentalement la formation professionnelle, hein, la formation professionnelle, celle qui peut permettre peut-être d'apprendre, de faire apprendre aux jeunes, beaucoup plus de jeunes, des aspects beaucoup plus pratiques à partir desquels ils pourraient, une fois terminés, pouvoir évoluer dans le marché du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Ango? Ouais, alors merci pour la question. C'est vraiment une question cruciale parce que le système éducatif dont nous avons hérité est un système qui a été bâti selon les désirs, les besoins et les besoins du colon. Quand il avait besoin d'administrateurs, il a formé ses administrateurs. Quand il avait besoin de ses comptables, il a formé ses comptables. Quand il avait besoin de tout ce qu'il voulait, il les a formés. Donc, c'est pour ça que notre système est linéaire. Moi, je l'appelle système linéaire parce que il n'y a pas de ramification. On va, et c'est un système qui est resté, qui n'a pas changé, puisque nous n'avons même pas changé nos programmes scolaires. Au Congo, on apprend mieux la France que le Congo, hein. Les enfants connaissent mieux l'Europe, l'Amérique et tout ça que l'Afrique, que le Congo même. Donc, le colon nous formait pour ses besoins. C'est pour ça que je dis qu'on ne fait pas d'éducation sans stratégie, sans objectif. Le colon avait des objectifs et elle a créé ses écoles pour ces objectifs-là. Et donc, nous, quand on est venus, on n'a pas compris. Nous avons pris les indépendances. Beaucoup de pays francophones n'ont pas fait comme l'Algérie. On leur a donné, c'est comme un prisonnier qui est en prison et qui ne combat pas, qui ne se bat pas et qui est assis. Et un jour, on lui dit, tiens, sors, tu es libre, signe ce papier-là et puis tu es libre. Nous, on a pris le papier, on a signé sans savoir ce qu'il y avait écrit dessus et on est libre, mais on n'a jamais été libre. Nous ne sommes pas battus pour notre indépendance. Et donc, cette indépendance qu'on nous a donnée, indépendance, elle est liée à beaucoup de contraintes. Et parmi les contraintes, c'est on reste arrimé à tout ce que le colon décide pour nous. Et nous, on ne pense même pas, nous, à nous libérer mentalement. Même mentalement, on ne veut pas nous libérer. Pour dire juste que, mais attendez, aujourd'hui, les Chinois viennent au Congo pour nous faire le manioc que nous allons manger. Le Chinois vient préparer le manioc chez moi et je l'achète et je le mange parce que le Congolais ne peut pas faire du manioc, c'est trop sale. Mais le Français fait son fromage, il sent mauvais le fromage. Le Français forme des personnes qui fabriquent du fromage. Pourquoi nous, on ne forme pas des gens pour fabriquer le manioc? Parce que tout le monde mange le manioc, Sassou Nguesso mange le manioc, les jeunes mangent le manioc, les vieux mangent le manioc. Quand on le mange, il ne sent pas bon, il sent bon, mais quand on doit le faire, il sent mauvais. C'est là, on n'a pas valorisé les choses chez nous, on n'a rien valorisé, on valorise les gros diplômes. Alors, c'est pour ça qu'on voit, moi, j'ai peur des Congolais, hein. J'ai peur des Congolais diplômés parce qu'ils sont tellement intelligents qu'on est tous devenus bêtes, n'est-ce pas? Et eux, y compris, hein. Donc, avec leurs gros diplômes, ils sont tous tellement intelligents que l'intelligence a dépassé les plafonds et le sommet de l'intelligence et ça les a rendus bêtes. Donc, quand ils se regardent avec leur papier où on leur a dit 1 plus 1 égale combien, ils ont répété 1 plus 1 égale 2, on leur a dit 10 sur 10, tu as le diplôme. Et ils viennent dire aux gens, je suis intelligent. Non, les diplômes devraient être les clés pour nous ouvrir des portes qui puissent nous permettre d'aller chercher autre chose. Mais ce n'est pas des cartons où on a écrit bien 10 sur 10 et puis après on va faire du bruit après. Non. Ce complexe-là fait que même ceux qui sont en charge aujourd'hui, ils ne se présentent que par rapport à leur, euh,
diplôme, même si c'est acheté ou vendu ou volé, mais ils se présentent en fonction par rapport à leur diplôme et ils s'identifient par rapport à leur diplôme. Ils n'existent plus, ils n'existent qu'à travers ces diplômes-là. Donc, leur propre identité n'existe plus. Leur propre identité, c'est ce diplôme-là. Or, moi, je veux dire ceci. Quand on vit dans une société, quand on voit qu'il faut quelqu'un qui répare des vélos, il faut former cette personne pour réparer le vélo. Sinon, vous allez chercher un Chinois pour venir réparer votre vélo. Et quand vous allez chercher un Chinois pour venir réparer votre vélo, vous venez dire, je suis docteur, mais je veux vous dire, vous n'êtes pas docteur, vous êtes un imbécile. Parce qu'un vrai docteur, c'est celui qui examine son environnement, il ausculte son environnement, il voit le mal et il remédie à ce mal. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire, moi, je suis docteur, vous savez à qui vous avez affaire, vous? Moi, je suis docteur. Non. Et le docteur, c'est celui qui sait que les légumes que nous mangeons doivent être cultivés par des gens qui connaissent l'agriculture. Comment faire pour former ces agriculteurs? On crée des structures pour former nos agriculteurs. Tant qu'on n'aura pas compris cela, nous n'irons nulle part. C'est pour ça que nous, moi, par exemple, si je suis là, dans les 100 premiers jours, l'ossature que nous allons mettre en place tiendra compte de tout cela. On ne fait pas. Alors, aujourd'hui, quand on n'a pas pu aller jusqu'au bac, on est bête. Quand on n'a pas pu aller jusqu'à comment je veux dire jusqu'au doctorat, on n'est pas intellectuel. Et dès qu'on a le doctorat, on devient politicien parce que les diplômes congolais donnent voilà, ce sont des diplômes pour être politicien. Mais on ne se rend pas compte que ceux qu'on a laissés en bordure de route qui ne pouvaient pas étudier les maths et tout ça, c'était des gens qui étaient bons pour fermer des boulons. Ils ont ces capacités-là pour fermer des boulons. Pourquoi on ne les a pas aidés dans ce sens-là? Ici en Angleterre, par exemple, le système éducatif, je l'aime bien. Même si les gens, parfois, ils sont spécialistes dans quelque chose, ils savent rien de ce qui se passe à côté, mais c'est pas mauvais. Parce qu'un enfant qui va jusqu'en GCSE, qui est l'équivalent du brevet, il va apprendre un peu de tout jusqu'au GCSE, mais quand on arrive à ce niveau-là, on se rend compte que l'enfant ne peut pas, il n'est pas à l'aise avec toutes les matières. Donc, on choisit. On lui demande, on choisit avec l'enfant, on lui permet de choisir. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu veux faire? L'enfant choisit. Pour son brevet, il ne va pas faire le brevet avec toutes les matières. Il va lâcher certaines matières et il va choisir que les matières dans lesquelles il est bon. Ça sera l'économie, ça sera je sais pas quoi, ça sera le droit, ça sera ceci, n'importe quoi. Il va se spécialiser déjà. Donc, la spécialisation commence déjà dès le brevet. Dès le GCSE, l'enfant est déjà en train de choisir son chemin. Quand il choisit ce chemin-là, il va aller au A-levels, qui est pour faire le baccalauréat. Donc, voilà, il va se spécialiser dans le domaine qu'il a choisi. Et quand il arrive au baccalauréat encore, il choisit encore. C'est-à-dire tout ce qu'il a emmené avec lui jusqu'au A-levels, toutes les matières qu'il a emmenées, il y en a qui ne lui plairont pas ou il n'a pas envie d'aller faire ça à l'université. Il va faire son bac avec les matières qu'il choisit parce qu'il se spécialise et c'est comme ça qu'il aura son bac et il ira à l'université dans une spécialisation donnée. Il ne va pas avec maths, anglais, français, tout ça là, des choses dont il n'a pas besoin. Non, il a choisi. Donc, on a fait un tri au GCSE, on arrive au A-levels, on fait encore un tri et quand il a son bac, il va à l'université spécialisée déjà. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà où il va. Et quand il travaille, il excelle parce que c'est son domaine. Il n'y a pas à dire, mais je comprends. Non, 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 c'est son domaine et il excelle. On devrait avoir ce système-là. On devrait pouvoir faire ça. Mais, N'est-ce pas? Madame Oui. Ongo, je vais rebondir. Vous êtes en train de dire des choses très, très, très importantes là-dessus qui expliquent d'ailleurs un peu l'état, pas un peu, beaucoup, l'état de délabrement dans lequel se trouve le système. Alors, le système est fait d'acteurs, hein, il faut le savoir. Le système est fait d'acteurs. Et tout le monde est comptable dans le système éducationnel, c'est-à-dire le corps enseignant, les administrateurs, les parents et tout le monde. Est-ce que ma question est de savoir, est-ce que dans tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut venir à la conclusion que finalement les responsables politiques aujourd'hui qui gèrent le Congo depuis pas mal d'années d'ailleurs, ont le mépris, ont une certaine culture du mépris du Congolais? Je m'explique pour vous donner suffisamment d'éléments là-dessus pour que vous me donniez une réponse assez bien calibrée. La question de la citoyenneté, par exemple, vous savez que la citoyenneté implique la participation. Elle serait démocratique, ce serait davantage mieux.
Alors, on a comme l'impression que les responsables politiques au Congo-Brazzaville, en fait, bah, là, ils viennent de construire, vous avez vu aussi hein, sur les médias sociaux, on vient de construire un beau lycée à Pointe-Noire, flambant neuf, ça fait beau à voir de l'extérieur, hein, ça fait beau à voir. Ils avaient aussi passé, il y a quelques mois de cela, un autre lycée professionnel, je crois, au niveau de Brazzaville. Alors, ma question, c'est celle-ci. L'accent mis sur les infrastructures, est-ce que c'est suffisant quand on n'implique pas, n'est-ce pas, la population à réfléchir ensemble sur ce que doit être l'éducation? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je vais essayer de répondre à votre question. Déjà, pour commencer, si vous êtes parent vous-même, hein, vous êtes parent comme moi, oui, comme beaucoup d'entre nous qui ont la chance et l'honneur et la grâce d'être parents. Si nous disons à nos enfants, assieds-toi là, je vais faire pour toi, je vais décider pour toi, bon, je vais acheter ci, je vais faire ça, je vais construire ça pour toi, on n'a pas donné à notre enfant l'opportunité de pouvoir prendre part à sa propre construction. Et cet enfant-là restera enfant toute sa vie puisqu'il pense que ben, c'est papa qui doit faire ou c'est maman qui doit faire. Moi, je n'ai rien à faire, j'attends, je mange, on me met dans la bouche et puis j'avale, n'est-ce pas? Nous faisons des choses, tout doit partir de Brazzaville. Déjà, pour commencer, tout est faux à partir de là. Tout doit partir de Brazzaville. C'est-à-dire que l'éducation, la santé, le machin, tout doit être décidé à Brazzaville, n'est-ce pas? Et c'est Brazzaville qui vous dit, Albomo, par exemple, Albomo, on va vous construire un lycée. Mais est-ce qu'ils savent ce que les gens de Albomo veulent? Est-ce que les gens de Albomo, vous êtes allés les voir pour leur demander, pour voir avec eux ce qu'ils vivent? Normalement, on devrait décentraliser tout ça. Le désir de tout contrôler, c'est ça la dictature. On devrait décentraliser tout ça et au prorata de la densité de chaque département, on devrait permettre à chaque département d'être autonome et de gérer ses besoins en fonction de gérer son budget en fonction de ses besoins. Donc, quand j'ai dit cela, je dis que c'est de la poudre aux yeux. Vous voyez, chaque fois qu'il y a bientôt les élections, le sieur Sassou Nguesso, ben, là, son disque, je sais pas moi, pourquoi les Congolais n'évoluent pas, ne comprennent pas? Est-ce qu'on est devenu tellement, enfin, il y a tellement de docteurs, tellement de brevetés, tellement de bacheliers qu'on est trop bête. Parce que chaque fois qu'il y a bientôt des élections, ça sous-pond quelque chose. Il a pondu l'université de Kintele avant les élections pour dire aux gens, je construis. Après les élections, voilà Kintele, je ne sais pas qui va à Kintele. Avant les élections, avant chaque élection, il fait ça, hein, de la poudre de perlimpinpin à tout le monde. Mais est-ce qu'on construit un lycée à Pointe-Noire pour tout le Congo? Pour commencer, moi, je vois dans une ville, ici, là où je suis, il y a des lycées, des collèges, partout. Pas loin, enfin, ici, dans la ville où je suis, il y a 3-4 collèges, 5 collèges, je ne sais pas. Il y a 3 lycées. Parce qu'on ne voudrait pas que les enfants aillent voyager pour aller à l'école. Donc, les enfants devraient quitter le Bomo pour aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Alors, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est beau à voir. C'est un beau, joli cadeau, un paquet cadeau. Maintenant, il faut voir le contenu de la chose. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Qui va enseigner dedans? Quel est le programme qu'ils vont mettre? Mais moi, je dis ceci. Hein. Quand on fait ce genre de choses, quand on n'a pas planifié, on n'a rien fait. Et ce sont les gens qui dirigent le Congo aujourd'hui, ou qui dirigent, je ne sais pas, qui ont pris le Congo en otage, parce que ce n'est pas dirigé, les gens qui ont pris le Congo en otage aujourd'hui, ce sont des gens mais ils s'en foutent des Congolais. Leurs enfants même, leurs propres enfants, qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, ils les exilent, leurs enfants, pour qu'ils aillent apprendre ailleurs, qu'ils les aillent étudier chez les voisins. Mais on les voit ici. Quand ils viennent ici, moi, j'en ai connu hein, des enfants de ces gens-là qui viennent ici, qui sont bêtes comme leurs pieds ou comme les pieds de leur père, et ils sont payés, les études sont payées à 10 000 pounds l'année dans des écoles comme collège, 10 000 pounds l'année avec l'argent de l'État, mais l'enfant ne comprend rien du tout. Et après ici, il a un diplôme, je ne sais pas comment il l'obtient, il repart là-bas, on a des Kiki Sassou Nguesso, apparemment Kiki aurait étudié ici. Je ne sais pas ce qu'il a étudié, mais à voir ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il a étudié, mais avec l'argent de l'État, vous voyez? Ok, il y a aussi, très bien, Madame Angot, de votre réponse,
On a aussi comme l'impression, vous avez évoqué d'ailleurs, c'est pourquoi je rebondis là-dessus, vous avez parlé du contenu. Mais dans les choses, il y a le contenu et le contenant. Bon, le contenu ou le contenant, on voit bien. Hein, c'est un peu leur manie, vous l'avez bien dit, quand il y a une échéance qui s'approche, on pond quelque chose. On pond quelque chose, on construit une bâtisse. Si pas, il y a même deux tours qu'ils ont construit, c'est pas un pilat ou quelque part là. Donc, des contenants. Mais on met pas, on a comme l'impression qu'on fait pas cas du contenu. Et quand on parle de ce contenu-là, oui, mais d'accord, les immeubles qu'on va construire, c'est bien beau. Mais comment seront-ils remplis là-dedans aussi, s'il n'y a pas la qualité de la ressource humaine qui va remplir, n'est-ce pas, ce qu'on construit pour taper à l'œil des gens et montrer qu'on fait quelque chose. C'est alors, une observation. Bah, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, l'éducation, j'ai dit au départ que l'éducation est la clé de tout et pour tout, n'est-ce pas? Mais pour qu'on comprenne que l'éducation est la clé de tout et pour tout, il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut l'avoir vécu. Sassou n'a pas vécu une bonne éducation, il n'a pas réussi grâce à l'éducation, grâce à l'instruction ou je sais pas quoi. Il n'a pas Sassou Nguesso n'est pas quelqu'un qui peut dire que j'ai fait des études comme nous. On peut dire, on a des collègues qui peuvent témoigner ce que nous avons fait de bien à l'école, ce que nous n'avons pas fait de bien, les collègues peuvent témoigner. Sassou Nguesso n'est pas quelqu'un qui peut montrer un exemple de ce qu'il a vécu à l'école et qu'il a réussi, des bonnes notes, les appréciations des profs et tout ça là. C'est pas quelqu'un. Il ne réussit que en taclant les autres, en tirant sur les autres, en mettant des cadavres et en marchant sur des cadavres. Il réussit comme ça. Et donc, quelqu'un de ce genre ne connaît pas la valeur de l'éducation. Il ne connaît pas. C'est pour ça que je dis que même dans sa propre maison, c'est quelqu'un que si quelqu'un ne peut pas éduquer son propre enfant, il ira éduquer l'enfant du voisin. Il pourra pas éduquer l'enfant du voisin. Mais Madame Ango, mais Monsieur Sassou Nguesso, d'accord, il n'a pas fait oui tout ce que vous dites là, mais il a une équipe quand même. Et oui, dans cette équipe là, il y a quand même des groupes organisés avec Je vais vous dire, vous avez Pierre Mabiala, d'accord? Oui. Un des exemples, hein, Pierre Mabiala. Pierre Mabiala, je n'ai pas été à l'école avec lui, mais je connais des gens qui ont été à l'école avec lui. Lui, il était le dernier de leur classe, toujours. Alema Bankou l'a dit, hein. Alema Bankou l'a dit aussi. Moi, je ne le connais pas, hein, mais tout le monde dit qu'il était même après le dernier. C'est-à-dire qu'il y a un dernier et lui vient après le dernier. Donc, Pierre Mabiala, ça, c'est sa place. Sassou le choisit pour travailler avec lui. Vous pensez que Pierre Mabiala, qui arrive à cet endroit-là comme une aubaine, c'est-à-dire qu'une position tombée du ciel, Sassou Nguesso, c'est son maître, c'est son Dieu qui l'a fabriqué, qui l'a fait, qui l'a mis là. Vous pensez que lui, il aura déjà dans sa tête, lui, il pourra avoir la capacité de réfléchir et de raisonner dans le sens de construire un pays, Pierre Mabiala? Vous prenez les gens qu'on dit très intelligents et tout ça, comme les... comment ils s'appellent déjà? Mungala, Thierry Mungala. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été à l'école avec lui. On dit que c'est un gars brillant, qu'il a été brillant à l'école. Mais vous prenez un gars comme celui-là, qu'on dit avoir été brillant à l'école, qui vient, qui répète des mensonges et des insanités à longueur de journée. Vous pensez que celui-là, qui n'a même pas confiance en lui-même, parce qu'il sait que lui-même, il ne vaut rien. Vous pensez que ces gens-là, ils vont penser à l'avenir du pays, ils vont penser à donner des idées, à faire en sorte que leurs idées soient mises en valeur, vous pensez? Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes déjà, ils savent qu'ils ne sont rien, sans Sassou Nguesso, ils ne sont rien, ils ont été fabriqués, ils ont été formés, ils ont un maître, mais ils sont dévoués à leur maître, ces gens-là, vous pensez que ce ne sont pas des gens à qui vous dites 1 plus 1 égale 2, répète, c'est ça? Donc, leur intelligence, c'est ça, en fait. C'est 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que je t'ai dit? 1 plus 1 égale 2. Répète encore. 1 plus 1 égale 2. OK. Puisqu'il a dit ce que je lui ai dit, je lui donne 10 sur 10 ou 20 sur 20. Oui ou non? Si je dois le noter, je dois le noter de la manière la plus honnête qui soit. Il a dit 1 plus 1 égale 10. 1 plus 1 égale 2, pardon. Si on dit 1 plus 1 égale 2, il me répond 1 plus 1 égale 2. Il a répondu de la manière la plus honnête. Je dois lui donner la note la plus honnête qui est 10 sur 10. Donc, il aura ses 10 sur 10. Mais celui-là, on va dire, ah, il était le plus intelligent. Non, c'est le bon répétiteur, c'est-à-dire il répétait bien. Et donc, si aujourd'hui, on a des gens là-bas qui
qui travaille avec Sassou Nguesso, Sassou Nguesso ne travaillerait jamais avec quelqu'un qui viendrait le challenger. S'il a des gens qui viennent le challenger du côté intellectuel, il va les virer ou il va les tuer. Et donc, tous ceux qui travaillent avec lui, vous avez vu, quand il a triché, ouvertement triché et hontément triché, tout le monde a vu qu'il n'a pas gagné, mais il y a quand même des gens qui sont venus, comme les Léon Ibombo, on dit que c'est un pasteur, donc des gens comme ça, un pasteur, qui dit pasteur, dit la justesse, la bonté, la vérité, la lumière, donc il parle de créateur, donc c'est un pasteur qui vient dire, ah, Sassou Nguesso a gagné, il vient se féliciter, et l'autre avec lui qui dit, c'est lui qui nous a fait, c'est notre maître, et tout ça, et donc ils ont un maître, ils ont pour maître Sassou Nguesso. Madame Ongo, vous allez me dire encore que je vous accable, mais vous avez toutes les capacités, hein, toutes les capacités d'être à la tête d'un État. Bon, si cela arrive une fois de plus, que serait votre casting? Parce que je pose cette question, sous d'autres cieux, un ministre a fait des preuves. C'est souvent en France, ils sont sortis de la rue Ulm, par exemple. Et puis, Polytechnique également, quand je le dis, ce n'est pas pour dire qu'il faut forcément faire des grandes études pour être, n'est-ce pas, un responsable politique. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ma question à vous, comment feriez-vous votre casting pour mettre des ministres à là où ils doivent être? Déjà, pour commencer, quand on est en charge du pays, d'un pays, ce n'est pas une affaire d'amis, ce n'est pas une affaire de famille. Un jardinier ferait un meilleur ministre qu'un professeur d'université, n'est-ce pas? Le diplôme ne veut pas dire qu'on est intelligent ou quoi que ce soit. Pour moi, le ministre, c'est d'abord un ministre, c'est un serviteur, hein? C'est ça l'étymologie même de mon ministre, c'est un serviteur. Donc, il faut déjà voir quelqu'un dans sa vie privée. C'est vrai qu'on peut se tromper, mais dans sa vie privée, comment est la mentalité de cette personne? Qu'est-ce que la personne a déjà fait dans sa propre vie privée? N'est-ce pas? Si on sait que la personne qu'on veut prendre comme ministre de l'Éducation, c'est quelqu'un qui a une moralité douteuse, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de grand-chose dans la société. C'est quelqu'un qui n'est pas de bon conseil pour qui que ce soit. Pourquoi j'irais prendre cette personne pour être ministre? Et donc, le casting dans les ministères serait en fonction des capacités et des compétences des personnes qu'on va mettre à ces endroits-là par rapport à leur vie privée déjà et par rapport à ce qu'ils ont apporté à la société. On a des ministres qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils se retrouvent juste ministres. Beaucoup hein, sont partis de Paris, de France, qui n'ont jamais travaillé en France, qui n'ont jamais travaillé où que ce soit, qui vivaient des allocations en France, et puis tout d'un coup, ils deviennent ministres. Mais une personne comme ça, à moins que ce soit une personne qui, si on sait que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour son pays ou des trucs comme ça, oui. Mais si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son pays, c'est déjà quelqu'un qui serait là où il est. Là, nous sommes en Europe, ici, ce ne sont pas nos pays, mais je ne vivrai pas des allocations, moi. Je vais travailler pour construire l'endroit où je me trouve. Je travaille. Donc, si quelqu'un ne pense déjà pas à construire l'endroit où il se trouve, là où on l'a accueilli, il ne pense pas à aider ou à rendre le bien là où on l'a accueilli, pensez-vous que cette personne irait travailler au Congo? Non, il n'irait pas travailler. Donc, le casting se ferait en fonction de beaucoup de critères que je ne pourrais pas décider parce que le président de la République n'est pas seul à décider pour le pays. Il est à la tête du pays, certes, mais il doit avoir un conseil qui soit un conseil de sagesse et un conseil d'intelligence pour pouvoir voir réellement où est-ce qu'il faut aller. Donc, quand on fait les choix, on doit consulter. Donc, il faut consulter les personnes. Bon, chez nous, malheureusement, les anciens n'existent plus, hein. Et donc, tous ceux qui étaient des sages autrefois, qui avaient la sagesse de parler, de comprendre et d'entendre les choses, n'existent plus. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il faut consulter. Donc, quand on fera les consultations, on ne prend pas n'importe qui. Quand on voit quelqu'un qui a volé un œuf, il volera un bœuf. On ne le prend pas. Qui vole un œuf, vole un bœuf. On ne le prend pas. Un ministre, c'est celui qui est capable de comprendre
les besoins des populations et de pouvoir gérer. Si vous avez un intendant d'un lycée ou je sais pas quoi qui a géré 50 000 et qui a bien géré, celui-là, vous pouvez lui faire confiance. Si vous avez quelqu'un qui gère son salaire, son propre salaire, qui le gère bien et à sa maison, les enfants ne manquent de rien et sa femme et ses enfants vivent bien, celui-là, vous pouvez lui faire confiance. Parce que même si, bon, on ne sait jamais, les humains face à beaucoup d'argent, peut-être ils peuvent changer, mais des gens qui ont l'honneur, des personnes qui ont l'honneur, qui tiennent à leur dignité, à leur amour-propre, à l'honneur de leur famille, ce sont des gens que nous allons prendre. Parce que si vous voyez, moi je dis toujours à tout le monde, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, il y a deux personnes qui font peur à un homme, tout homme, même vous, Georges, Monsieur Georges Goma. Il y a deux personnes qui vous font peur, votre mère Ah et bon? votre femme. Vous pouvez tromper tout le monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais quand il s'agira de votre mère ou de votre épouse, vous vous arrêterez, vous réfléchirez deux fois avant de faire quelque chose. Quand il s'agira de l'honneur de votre mère et de votre épouse, vous vous arrêterez deux fois, vous arrêterez, réfléchirez deux fois avant de faire quelque chose. Et donc, quelqu'un qui pense à l'honneur de sa mère, qui veut faire honneur à sa mère, qui veut faire honneur à sa femme, cette personne-là, si vous la mettez à un endroit, à un poste, elle travaillera pour son honneur, pour l'honneur de sa famille. Aujourd'hui, on voit, hein, Sassou Nguesso ne veut pas faire honneur à sa femme puisque sa femme n'est pas honorable. Donc, on voit bien comment il fait. Il n'a pas envie de faire honneur à sa mère puisque sa mère, il l'utilise pour des crimes. Vous n'avez pas vu quelqu'un aller tuer des gens et dire, cette action de tuer s'appelle Moïbara, le nom de ma mère. Je vous tue, mais je donne le nom de ma mère à mes crimes. Quand on n'honore même pas sa propre mère, on n'honore pas sa femme, n'est-ce pas? On ne peut honorer personne et ces personnes-là, autour de lui, ils sont tous comme ça. Aucun d'entre eux n'honore sa femme. D'abord, je ne sais pas s'ils ont des femmes. Aucun d'entre eux n'honore sa femme. Aucun d'entre eux n'honore sa mère. Et donc, ces gens-là, pour moi, ce ne sont pas des ministrables. Un ministrable, c'est celui qui a de l'honneur pour lui-même, pour sa mère, pour sa femme. Et donc, Très pour son bien, pays. très bien. Merci, Madame Ongo. On a bien compris cela, mais comprenez que les réflexions que nous partageons ici, c'est dans la perspective d'un après Sassou, parce que l'après Sassou finira par sonner. Tout à Quand on fait, lui donne encore tout à 1000 fait. ans ou On le veut ou 2000 ans, non, il peut prendre 1000 ans ou 2000 ans, hein, mais on ça le veut ou finira non, par venir. il va partir. C'est parce qu'en fait, Voilà. il est encore là, c'est parce que je pense que nous avons des. Et ça, je le dis, je suis en colère. Je le dis, je suis en colère parce que nous avons des gens qui ont juré qui ont prêté serment pour sauver le pays et pour protéger les populations. Donc, ils tiennent des armes pour sauver le pays et protéger les populations. Ce sont ces gens-là même qui prennent des armes, qui retournent contre les populations. Et quand il s'agit d'aller déloger Sassou Nguesso, ils ont tous peur. Nous n'avons pas d'hommes. Quand je dis homme, nous n'en avons pas. Ceux qui portent les armes, ce sont des petits pantins, tous, hein, même des généraux, des capitaines, je ne sais pas quoi. Si vous voyez quelqu'un, on va l'appeler colonel. C'est comme si on prend des galons, on met sur un squelette, sur le corps mort de quelqu'un qui est pourri, et on appelle ça général. C'est ce que nous avons. Parce que nos généraux, ce sont des cadavres ambulants qui ne sont pas capables d'aller chasser Sassou Nguesso. Mais si les gens sont capables d'aller chasser Sassou Nguesso, je pense que aujourd'hui, on ne parlerait plus de Sassou Nguesso. Madame Ango, nous avons, vous comprenez que notre émission autour de l'éducation est dans la perspective donc, de l'après Sassou. Vous avez fait un diagnostic qui est très difficile à supporter et on voit très très bien le système éducatif au Congo-Brazzaville. Même si à côté, j'allais vous poser aussi cette question, le rapport, il paraît, il y a des écoles privées qui fleurissent comme pas possible au Congo-Brazzaville et parfois ça se fait au détriment de l'école publique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Hein, il y a des écoles privées de plus en plus et les gens auront tendance aussi. Et parfois, dans ces écoles privées, on voit que le ministre de l'Éducation lui-même aussi a son école privée. Ça ne fait pas trop désordre, ça? On ne donne pas d'agrément, on ne donne pas d'agrément à n'importe qui pour créer une école. Donc, pour commencer, si nous donnons des agréments à n'importe qui pour créer des écoles privées, ce n'est pas mauvais, puisque dans tous les pays du monde, il y a des écoles publiques et des écoles privées. Et dans l'école privée, il y a un plus que l'école publique ne donne pas aux enfants. Mais chez nous, on a détruit l'école publique volontairement pour aller créer des écoles publiques, des écoles privées, juste pour de l'argent. C'est du business, en fait. Le Congo est devenu
un business, le Congo entier, même les toilettes deviennent des business. Donc, ce n'est pas étonnant de voir un ministre de l'éducation qui va créer sa propre école. Il y a conflit d'intérêts. Je ne sais pas de quel côté, peut pencher son objectif, son objectivité. Il ne peut pas gérer il peut pas gérer l'école publique et en même temps vouloir gérer une école privée. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'arrêtera de toute façon. Quand Sassou Nguesso va partir, nous allons arrêter tout ça. Les écoles privées existeront, mais les agréments seront livrés, seront délivrés à des personnes compétentes, habilitées à avoir une école, et ce sera contrôlé par le ministère de l'Éducation nationale. Très bien, très bien. Alors, peut-être la dernière question, Madame Ongo. On voit bien que l'éducation post-secondaire, donc universitaire, a une importance parce que c'est là où les gens en arrivent à créer. À l'université, on apprend à créer. On forme des ingénieurs qui seront utilisables directement, c'est-à-dire sortis de l'université et être, n'est-ce pas, à la disposition du pays en devenant expert dans son domaine. C'est-à-dire que finalement, on peut trouver des ingénieurs, des ponts et chaussées, et qui n'ont pas que le nom de ponts et chaussées, et qui seront capables de construire des ponts et des chaussées et des routes. Voyez? Bon, alors, est-ce que au Congo, on pourra imaginer une chose comme ça, qu'il y ait des projets, des ouvrages d'art à construire et qu'on ne fasse pas appel aux étrangers, aux Blancs, par exemple, puisque c'est ça, même un bâtiment de 2-3 étages, il faut qu'il y ait un ingénieur blanc. Ce qui se passe au Congo se passe dans beaucoup de pays africains subsahariens. Ce sont des avantages qu'ils donnent, qu'ils accordent aux amis. C'est des potes. Voilà, ce sont des potes. Mais nous allons arriver à un point où tous nos ingénieurs, pas que des ingénieurs, c'est-à-dire que la main-d'œuvre que le Congo va avoir, il va l'utiliser. Nous allons utiliser notre propre main-d'œuvre. Pour aller chercher ailleurs, il faut d'abord qu'on regarde nous-mêmes à la maison, est-ce qu'on a capacité ou pas. On a ou pas. Et si on n'en a pas, on forme, n'est-ce pas, avant d'aller chercher ailleurs. Parce que le Chinois ne construit pas mieux que le Congolais. Si on essaie de mettre un Congolais qui connaît son métier et un Chinois à côté, je pense que le Congolais fera son travail avec beaucoup plus d'amour que le Chinois. Parce que le Chinois, lui, il est là pour gagner de l'argent, alors que le Congolais, lui, il est là pour construire son pays. Ça ne sera pas pareil. Donc, si on va prendre un Français pour venir construire les routes au Congo, et on a un Congolais qui doit construire la route dans son village ou bien dans son coin, il voudra construire une bonne route pour son peuple, pour sa population, alors que le Français, lui, vient pour prendre de l'argent. Ça ne sera pas pareil. Et donc, il faudra ça sera un des aspects qui sera obligatoirement mis en pratique, n'est-ce pas? Notre main-d'œuvre sera utilisée pour sa valeur et pour ses compétences. Mais il faudra forcément que la fameuse réforme soit passée d'abord, parce que mais elle passera, De ce que l'on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont réalisés, mais on voit aussi que les projets sont utilisés aussi pour détourner les fonds publics, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai dit que ce sont les amis qui font des avantages aux amis. Mais si nous avons si nous décentralisons avec des systèmes d'émulation qui se passent dans beaucoup de pays, hein, même en France, je pense qu'il y a le meilleur département de je ne sais pas quoi, le meilleur maire, le meilleur préfet, ça se passe. Donc, si nous décentralisons, et quand nous allons décentraliser, quand nous allons décentraliser la gestion des départements du Congo, on n'en verra pas n'importe où, n'importe qui. Quelqu'un, par exemple, il est de Makwa. Il vient pour gérer le département du Niari. Ses compétences vont être scrutées, n'est-ce pas? Ses capacités vont être scrutées. Il va devoir prouver qu'il mérite d'être là, parce qu'on n'a pas voulu prendre un fils du Niari pour être là. On l'a pris lui. Et lui qui vient là, au lieu de dire je viens détruire, on lui dit c'est ton pays c'est tant de Makwa à ici. Prouve que tu aimes ton pays. S'il n'aime pas son pays, il va le prouver là. S'il aime son pays, il va le prouver là. N'est-ce pas?
Maintenant, s'il travaille, il ne va pas travailler avec son personnel qui vient de Makoa. On l'a pris, on l'a mis là, mais il va travailler avec le personnel qui est sur place. Donc, ce personnel de sur place, s'il commence à voler son propre argent, je pense que le système anticorruption qu'ils ont mis là, qui ne fonctionne pas, fonctionnera. On ne vole pas. On ne vole pas l'argent de l'État. C'est un crime. Quand on vole le métro, on a un casier judiciaire. Hein. Donc, quand on vole l'argent de l'État, on doit aller en prison. Et ça, faudra pas avoir peur de le dire. Il faudrait que le Congolais réapprenne à être un citoyen, un bon citoyen. Tu ne voles pas l'argent de l'État. Quand on vole l'argent de l'État, ben, écoute, la loi s'applique. Tous ceux qui se disent docteurs en droit, il faut qu'ils appliquent leurs droits. On a volé l'argent de l'État, c'est un crime. Ce crime-là est passible de correction pénale. Eh ben, il faut être corrigé. Comme ça, quand vous reviendrez, vous ne le referez plus. Et c'est comme ça qu'on va construire le pays. Et donc, les grosses factures qu'on fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'inspection après. Il n'y a pas de personne qui contrôle personne. Si nous disons que nous avons une œuvre d'art à faire, il y a celui qui gère le budget de l'œuvre qu'on veut bâtir, mais il y a quelqu'un qui contrôle celui qui contrôle le budget. Et il y a quelqu'un qui contrôle aussi l'autre personne. Ils ne peuvent pas être tous corrompus. Et donc, le dossier va passer de contrôle à contrôle. Le dossier va passer de contrôle à contrôle. C'est vous qui gérez le budget. Moi, je suis là pour contrôler votre gestion. Et quelqu'un est là pour contrôler ma façon de vous voir. Et quelqu'un d'autre est là pour contrôler si l'autre fait bien son travail. On contrôle tout le monde. C'est comme ça que Madame ça se passe Ongo, ici. nous avons vu dans la région du Poule, par exemple, des enfants ne pas aller à l'école pendant plus de 2 ans, puisqu'il y avait la guerre là-bas. D'accord? Comment pensez-vous, parce que les démographes le savent très bien, les démographes dans leur prospective savent, n'est-ce pas, évaluer l'effet des classes creuses. Les classes creuses, parce que l'éducation, d'une manière générale, ne doit pas s'arrêter dans un pays. Quand on arrête l'éducation, il peut avoir des effets à long terme, ce qu'on appelle les effets des classes creuses, c'est-à-dire dans 10, 15, 20 ans, 30 ans peut-être, on va voir cet effet des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Alors, une fois de plus, je ne vous accable pas, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Ces enfants-là, comment vous les redéployez? Comment vous les reprenez, ces enfants? À côté, vous avez parlé des Koulouna aussi, qui a emboulé entre les mains, n'est-ce pas, du régime. Comment les redéployer? Ça sera ma dernière question avant de vous demander de conclure. Merci. Mais alors, il faut dire que l'école, enfin, l'instruction ne doit pas être débutant CP2, C1, CE2 à 6 ans. Ou bien à 6 ans, on doit être débutant. Les enfants enfin, les personnes qui ont subi cette injustice de ne pas pouvoir bénéficier d'une instruction qui puisse leur permettre de s'ouvrir à des horizons. Au-delà de leur cercle familial. Donc, ces personnes qui ont subi ces injustices-là, quand ils arrivent, par exemple, à 12, 13, 14 ans, bien adultes, ils ne peuvent plus retourner en CP1, CP2, CE1, mais il faudrait qu'il y ait l'école pour tous. Ici, on peut aller à l'école à n'importe quel âge, ici, Oui, là où je c'est ça. suis. On n'a pas été à l'école, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école à 6 ans, mais à 50 ans, on veut aller à l'école, on y va parce qu'il y a des structures pour. Il y a des structures pour tout âge. À 100 ans, on peut retourner à l'école. Et donc, ces personnes-là, on leur donne, on aura des structures qui feront qu'ils puissent avoir une instruction. L'école, moi, je vois pas l'école comme vous avez dit, aller de CP jusqu'à l'université. Non. C'est les emmener jusqu'à un niveau où ils vont avoir la capacité d'avoir une formation professionnelle, d'avoir une certaine possibilité de pouvoir être indépendant et autonome dans la société. Et donc ça, on formera des maçons, on formera des menuisiers. Pourquoi pas? Il y en a qui peuvent commencer à ce niveau-là et puis aller être des ingénieurs, aller être des docteurs. Ça dépendra des capacités de chacun. Mais nous allons mettre en place des structures de telle sorte que personne ne puisse dire « je suis trop vieux pour l'école ». Il n'y a pas de vieillesse pour l'école. À 100 ans, on va à l'école. Quand on a sa tête qui fonctionne, quand on a la capacité de se lever ou de faire ce qu'il faut, à 100 ans, on peut aller apprendre. Tant qu'on a la vie, on a l'espoir et on peut apprendre à tout âge. Et donc, ces personnes-là, pour nous, ce ne sont pas des personnes perdues. Les Koulouna, mais les Koulouna sont Koulouna parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'on ne leur a pas donné cette opportunité. Mais si aujourd'hui, on prend déjà ces Koulouna-là, ce n'est pas les forcer à aller à l'école, mais déjà leur parler. Parce qu'avant de donner un traitement à un malade, il faut d'abord que le malade accepte le traitement. Le malade comprenne sa maladie
Donc, on lui fait comprendre sa maladie. Une fois qu'on a fait comprendre à un malade qu'il est malade, voici ta pathologie et voici la thérapie. Donc, si le malade accepte la thérapie, mais on fait tout pour que le malade accepte la thérapie, une fois que le malade a accepté la thérapie, la collaboration peut commencer. Et donc, nous, c'est pareil, nos Kulunas, on va déjà les prendre pour leur montrer par tous les moyens, les images et tout ça, des enfants de leur âge qui font bien. Et on leur dit, le rêve, il est là. Tu peux avoir cette vie toi aussi si tu acceptes que l'on t'aide. On t'apporte de l'aide et on va t'aider à ne plus vivre comme ça. Voilà ce que tu vis, ça peut te mener là. Tu peux mourir jeune, tu tues des gens et tout ça. Voilà, on les emmène à comprendre leurs problèmes et on leur dit, il y a une solution. Et cette solution, elle est là. Nous allons marcher avec vous pas à pas. Vous allez avancer ici. Qu'est-ce que tu as envie d'être? J'ai envie d'être pêcheur. OK, on te forme à être pêcheur. J'ai envie d'être mécanicien. On te forme à être mécanicien. J'ai envie de si. S'ils ne savent pas lire ni écrire, on les emmène à un niveau où ils peuvent lire, écrire et puis les former dans les domaines qui leur plaisent. Et nous allons avoir des citoyens de là qui vont avoir du témoignage. J'étais Kuluna, aujourd'hui je suis comptable. C'est possible. Très bien. Mais voilà, mais merci. Nous arrivons donc à la fin de notre entrevue, Madame Ango. Peut-être vous laisser ce petit temps de conclusion en vous posant cette question. Votre réforme du système éducatif, on a évoqué au cours de notre entretien qu'évidemment on pourra convoquer des forums de quelques noms qu'on pourra les appeler États généraux d'éducation ou commission d'enquête ou quelque chose d'autre encore. Dites-nous simplement quel serait l'élément phare de cette réforme en guise de conclusion. L'élément phare de la réforme, vous parlez du système éducatif? L'éducation du système éducatif que Ah, ok. Un enfant, un avenir. un enfant, un avenir. Voilà. OK, mais très Ça bien. sera. On partirait d'un slogan, un enfant, un avenir. C'est-à-dire, aux États-Unis, par exemple, ils ont mis en place depuis quelques années maintenant un grand programme qu'ils appellent No Child Left Behind. Mais c'est ça, No un enfant, un Child avenir. Left Pour nous, ça Behind. sera un enfant, un avenir. Ben voilà, mais c'est pourquoi ça m'a rappelé un peu ce grand programme aux États-Unis, aucun enfant laissé à côté de la plaque, à côté de Voilà. la rue. Donc la considération, et ça commence dès l'école maternelle aussi, hein. Je vous ai posé une question sur l'université, mais j'avais aussi une autre question sur Ben. l'importance de l'étude primaire. Voyez. Ben merci. Merci Merci beaucoup, beaucoup. merci à vous de m'avoir accordé ce petit temps de parole et puis Ben, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et soyez gentils d'accepter nos prochaines invitations parce que en vous connaissant, vous n'avez pas tout dit tout ce que vous avez puisqu'on a l'occasion quand même de nous retrouver dans d'autres circonstances. On sait très bien que vous êtes intarissable, n'est-ce pas, dans la proposition. Alors, il nous reste à remercier nos chers internautes, nos chers téléspectateurs, de la fidélité qu'ils nous offrent à suivre nos émissions. Une fois de plus, nous nous situons dans la perspective et dans la prospective, c'est-à-dire que nous restons ouverts à toutes les personnes qui pensent que le Congo, maintenant, doit tourner la page et ouvrir une nouvelle page, n'est-ce pas, pour un Congo beaucoup plus prospère, pour un Congo pour tous. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.